Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur les matchs de Première Ligue qui auront lieu ce week-end. C'est la 31e journée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous serez alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. On vient de sortir d'ailleurs une toute nouvelle application. Elle s'appelle MatchMatch. Vous pouvez gagner, écoutez bien, chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1 500 € de PaySafe Card. Le tout en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on propose chaque jour. L'application est 100% gratuite bien sûr et disponible sur iOS et Android. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en cash. Et oui, en cash et non pas en freebet s'il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est en description. Aston Villa, Newcastle, on a deux des équipes les plus en forme du moment en Première Ligue et qui luttent pour une place en Coupe d'Europe en fin de saison. Villa est sur une série de 7 matchs sans défaite avec 6 victoires et 1 nul. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs, dont le dernier face à Nottingham, 2-0 à domicile. Après un gros passage à vide au mois de février, Newcastle va beaucoup mieux et vient d'enchaîner 5 victoires de rang. Les deux dernières étaient à l'extérieur, 5-1 à West Ham et 2-1 à Brentford. Même si les deux équipes sont solides défensivement en ce moment, je pense qu'on aura un match à but ici. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,60. Chelsea-Brighton. Chelsea est à la peine en première ligne avec une 11e place et 14 points de retard sur le top 5. Tuchel a été licencié en début de saison. C'est Graham Potter qui l'a remplacé. Il a lui aussi été viré après les mauvais résultats. Et c'est maintenant Frank Lampard qui est sur le banc de Blues. Il a mal démarré puisqu'il a perdu ses deux premiers matchs sur le banc. Face à Wolverhampton, 1-0 samedi dernier. Et en quart de finale, aller de Ligue des Champions hier soir face au Real Madrid, défaite 2-0. Brighton est 7e et vise l'Europe en fin de saison. Après une série de 7 matchs sans défaite, ils ont perdu à Tottenham, défaite 2-1 le week-end dernier. Chelsea n'a plus gagné depuis 5 rencontres. 3 jours après ce match, ils jouent le match retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid, match le plus important de leur saison. Est-ce qu'ils seront à 100% ce week-end pour ce match de championnat? J'en suis pas sûr, je suis pas vraiment certain de ça. Je pars donc sur Brighton ou match nul, c'est à 1,46. Everton, Fulham. Everton lutte pour le maintien, ça va un petit peu mieux depuis l'arrivée de Sundyce sur le banc avec 3 nuls, 3 victoires et 4 défaites en 10 journées. Après 4 matchs en défaite, ils ont logiquement par contre perdu à Old Trafford contre United 2-0 samedi dernier. Fulham qui n'a plus grand chose à jouer sur cette fin de saison est sur une série de 5 défaites de rang. Après avoir perdu à Bournemouth, ils ont perdu à la maison face à West Ham 1-0. Everton a gagné 12 des 13 dernières confrontations face à Fulham à domicile. On sent en plus ces derniers temps qu'ils sont quand même portés par leurs supporters à Goodison Park. Victoire obligatoire dans la course au maintien. Je tente Everton, c'est coté à 2 tout pile. Southampton, Crystal Palace, les Saints sont derniers avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Ils ne gagnent plus depuis 5 journées avec 2 nuls et 3 défaites. Le week-end dernier, ils se sont logiquement inclinés face à Manchester City 4-1. Patrick Vieira côté Palace a été viré après une série de 11 matchs sans victoire et ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Roy Hodgson sur le banc avec 2 victoires en 2 matchs. Face à Leicester 2-1 et face à Leeds le week-end dernier, véritable carton à l'extérieur, victoire 5-1. Je pense que les Eagles peuvent continuer sur leur lancée, j'assure avec Palace ou match nul, c'est à 1,42. Tottenham-Bournemouth. Tottenham est 5e à 3 points de retard sur le Big Four. Les Spurs sont invaincus depuis leur élimination en Ligue des Champions avec 2 victoires et 2 nuls. Depuis le licenciement de Conte, Tottenham a fait match nul 1 but partout à Everton et a battu Brighton 2-1 samedi dernier. Le promu Bournemouth a 3 points d'avance sur la zone rouge et un bilan plutôt correct de 3 victoires et 2 défaites sur les 5 dernières journées. Les Cherries se sont imposés à Leicester 1-0 le week-end dernier. Tottenham, c'est 5 victoires de rang à domicile en Première Ligue. Même si Bournemouth est dans une bonne phase, je ne comprends pas vraiment la cote des Spurs. 1,44 à domicile, j'y vais sans hésiter. Wolverhampton, Brentford, les Loups luttent pour le maintien avec 4 points d'avance sur le 18e. Après un nul à Nottingham, ils ont obtenu un précieux succès samedi dernier à la maison face à Chelsea, victoire 1-0. En face, les Bees font une belle saison mais calent depuis 4 matchs avec 2 nuls et 2 défaites. Ils ont perdu à United 1-0, puis contre Newcastle samedi 2-1. Ils retrouvent ici un adversaire à leur portée. Je pense qu'ils peuvent prendre au moins un point au Molineux Stadium. Je pars sur Brentford ou match nul, c'est à 1,50.
Manchester City, Leicester City est dans une forme exceptionnelle avec 9 victoires de suite, toutes compétitions confondues, 34 buts marqués et seulement 3 petits buts encaissés. Ils sont deuxième de Premier League à 6 points d'Arsenal, mais ils ont un match en moins. En Ligue des Champions, City a fait un grand pas vers les demi-finales en s'imposant 3-0 face au Bayern mardi soir au match aller. Les Foxes, eux, sont au fond du trou avec une avant-dernière place et 2 points de retard sur le 17e. Ils ont un bilan de 1 nul et 8 défaites sur les 9 derniers matchs. City voudra préparer au mieux son match retour face au Bayern de la semaine prochaine. Il faut gagner en plus pour rester collé à Arsenal en tête du championnat. Vu la forme des deux équipes en ce moment, je pense que ce match peut virer à la démonstration côté Citizens. Je tente donc City gagne à la mi-temps et à la fin du match, c'est coté à 1,40. Derby de Londres entre West Ham et Arsenal, on a d'un côté West Ham qui lutte pour le maintien et de l'autre Arsenal qui lutte pour le titre. Les Hammers ont bien réagi après la claque reçue contre Newcastle, 5-1. Ils se sont imposés à Fulham 1-0 samedi dernier et ils jouent ce soir leur quart de finale aller d'Europa Conference League contre la Gantoise. Arsenal a été éliminé de l'Europa League par le Sporting et n'a donc plus que la Première Ligue à jouer. Après 7 victoires de rang en championnat, les Gunners ont été freinés à Liverpool avec un nul 2-2 alors qu'ils menaient pourtant 2-0. A mon avis, ce ne sera pas une partie de plaisir non plus pour Arsenal, mais je les vois s'imposer sur le finish. Victoire des Gunners, c'est à 1,52. Nottingham, Manchester United. Nottingham est 18e de Première Ligue avec le même nombre de points que le premier non relégable. Le promu Forest n'a plus gagné depuis 9 journées avec 3 nuls et 6 défaites. Il reste même sur 2 défaites à l'extérieur, 2-1 à Leeds et 2-0 à Aston Villa. En face, United est bien parti pour finir dans le top 4 en fin de saison. Après leur défaite à Newcastle, les Red Devils ont battu Brentford 1-0, puis Everton 2-0 les deux matchs à Old Trafford. Et ce soir, ils jouent leur quart de finale aller d'Europa League face au FC Séville, toujours à Old Trafford. Nottingham a pris 21 points de ses 27 points à la maison. United est beaucoup moins bon à l'extérieur qu'à Old Trafford. Ils ont encaissé 29 buts en 14 matchs loin de leur base. Je vais donc tenter les deux équipes marques, c'est à 1,56. Et le dernier match, c'est Leeds qui reçoit Liverpool lundi soir. Leeds se bat pour le maintien et a un bilan assez correct de 1 victoire, 1 nul et 2 défaites sur les 5 dernières journées. La semaine dernière, par contre, ils ont été corrigés par Palace, défaite 5-1 à domicile. Liverpool a 12 points de retard sur le top 4, c'est quasiment impossible qu'ils soient en Ligue des Champions la saison prochaine. Les Reds n'ont plus gagné depuis 5 matchs avec 2 nuls et 3 défaites. Ils restent sur 2 nuls face à Chelsea, 0-0 et face à Arsenal 2 buts partout. Ils retrouvent là un adversaire plus abordable. Leeds avait gagné le match aller 2-1 à Anfield. Liverpool a une revanche à prendre et doit absolument s'imposer pour espérer jouer l'Europe la saison prochaine. Victoire des Reds, c'est à 1,70. Voilà mes avis sur les matchs de Première Ligue du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez PMU qui rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Vous pouvez par exemple miser 100€ sur mon doublement de mise. La victoire de Tottenham combinée à City gagne à la mi-temps et à la fin du match, le combiné est coté à 2,02. Si ça passe, vous remportez 202€. Et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse vos 100€ de mise en cash que vous pourrez alors soit rejouer ou directement retirer vers votre compte bancaire. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur cette 31e journée de Première Ligue dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir. Misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.